C'est encore une occasion spéciale, une occasion particulière, un autre moment de douleur, de choc suite à ce qui s'est passé ici en Haïti. D'aucuns diraient l'impensable, d'aucuns diraient l'inimaginable, l'assassinat de notre président de la République dans les conditions que vous savez. Notre pays, Haïti, qui a su, à travers le temps, donner le ton, pousser l'humanité à faire un virage, je dirais un virage éternel. Haïti, qui a su se mettre debout pour dire non à l'injustice, non aux violations des droits humains, non à l'esclavage, non à la ségrégation raciale, oui à la liberté, oui à l'indépendance, oui à la vie, oui à l'humanité. D'aucuns se demandent comment cet Haïti-là, comment ce peuple-là, comment des Haïtiens peuvent en arriver là aujourd'hui. Au lendemain du 17 octobre 1806, beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de citoyens un peu partout à travers le monde se demandaient à quoi peut-on s'attendre d'un peuple qui a assassiné son propre père fondateur. Il n'y a pas eu de réponse à cette époque. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de réponse pour ce qui a été fait. On est en 2021. On n'a pas de réponse quand la question se pose pour notre président, son Excellence Jovenel Moïse. Je profite de cette tribune pour remercier tous les peuples du monde, tous les citoyens du monde entier, toutes les autorités locales, tous les Haïtiens en général, qui ont fait preuve de compassion, de sympathie, de douleur à l'endroit du peuple haïtien, à l'endroit de l'humanité et à l'endroit notamment de la famille présidentielle, notamment la Première Dame ici avec nous aujourd'hui. Haïti devra rester Haïti. Un pays qui sait dire non. Un peuple qui sait se plier et un peuple qui peut fort heureusement se ressaisir et étonner le monde entier. Donc c'est ce qu'on espère. Et c'est pour cela que la bataille doit continuer. Jovenel Moïse a été torturé, humilié, abandonné, trahi et tué. Le corps physique n'existe plus, mais vous devriez prendre force, vous ressourcer. Les idées qu'il défendait n'étaient pas les siennes. Il parlait d'inclusion. Il parlait d'un meilleur avenir pour la majorité de ce pays. Il parlait de nèg tête canaille ou nèg andéyo. Il parlait de la grande majorité de la population toujours exclue depuis la naissance de ce pays. Je voudrais vous dire courage parce que c'est en tenant compte de cet idéal, de ces idées, de la bataille du président de la République, c'est en nous plongeant dans ces idées que nous allons retrouver de la force nécessaire pour que Jovenel Moïse s'immortalise à travers ses idées, son courage, sa conviction, parce qu'il a osé. Il a osé. Et je dirais
juste avant de passer la parole au prêtre pour la prière du jour, la plus grande réalisation du président de la République, Jovenel Moïse, sa plus grande réalisation, c'est qu'il a su montrer le chemin. Il a pu toucher la plaie du droit. Il a pu oser là où beaucoup ont eu peur. Et il a su s'assumer jusqu'au dernier moment de sa vie. C'est rare qu'un Haïtien ait ce courage par les temps qui courent. Alors, courage, force à chacun de vous. Courage à la première dame. Heureusement qu'elle est vivante. Et au peuple haïtien qui commence à voir clair, à mieux comprendre la bataille que menait le président de la République, eh bien, je vous dis, la bataille ne fait que commencer. Car tant qu'il y a la vie est lutte, la vie est combat, et que le combat continue. Je cède la parole tout de suite au révérend père Robès Syriane Charles, curé de la paroisse de Saint-Clément à Fort Lauderdale, pour la prière du jour. De la prière, on en a aussi besoin. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis cet après-midi pour accompagner la première famille. Vivre cet instant avec eux. Pour nous recueillir, réfléchir et prier. Nous sommes dans la peine. Notre grand berger, notre leader charismatique, notre cher président de la République, M. Jovenel Moïse, vient de tomber sous les armes des assassins. Bouo, commando sans cœur, sans morale, sans pitié, sans amour. Quoi fait nous mal? Il fait nous mal juste dans zo. Et ce qui entraîne nous, à tout le monde qui a un cœur, quel que soit côté, oui, à travers le monde. Ça sous que fondation pays ensemble nous venons affirmer notre foi en la résurrection parce que la mort n'est pas la fin de tout, elle est la transformation de la vie, notre entrée définitive dans la présence de notre Créateur. Seigneur, debout, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, tu nous vois déchirés, abattus. Nous ne comprenons plus. La mort du président Jovenel nous tombe dessus comme un coup de foudre. Une injustice qui pèse très lourd sur sa famille, sur ses proches, sur nous tous et sur tous ceux qui, à travers le monde, aiment sincèrement ce coin de terre que nous appelons Haïti chérie. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu as connu toi-même le scandale de la mort sur la croix. Permets-nous de redécouvrir la profondeur de ton amour qui nous fait passer de la mort à la vie pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour la lecture.
Dans l'être Paul écrit l'église Rome là, chapitre 8, saute verset 34, rivé verset 39. Frem semyo. Si bon Dieu pour nous, qui laisse qui cap contre nous? Qui laisse qui cap séparer nous à remet Christ là? Est-ce que c'est souffrance ou bien tête chargée? Ou bien persécution ou bien grand goût? Ou bien pas gain rade ou bien danger? Ou bien coûte manchette. Mais non tout ça. C'est pas gagner assez, nous gagner bataille là. Peut-être si là qui remet nous. Réellement vrai, moi certain, ni la mort, ni la vie, ni messager dans ciel là, ni autorité, ni temps kounier, ni temps, ni ça qui vient derrière, ni ça qui gain force, ni ça qui juste en haut. Ni ça qui juste dans bas fond, ni aucun autre bagaille qui créé, pas cap séparer nous, ak remè bon Dieu nous, nan Jésus-Christ, grand maître nous. Parole, bon Dieu qui dans ciel là. Et avec vous même tout. Mes bonnes nouvelles, Jésus-Christ, d'après Jean qui saint. Louange pour grand maître. En vol, sorti sous terre pour la joindre papal, Jésus dit patisan lio. Que nous pas besoin bouleverser. Quoi dans bon Dieu, quoi dans moi tout. Dans kay papa m'nan, gen en pile côté pour moun rete, si c'est pas te sam, pas ta di nous. Si on place, moi pral parer pour nous. Le ma fin parer en place pour nous, ma tonne vin prendre avec moi. Comme ça, côté mié, c'est pour nous là tout. Côté m'pour aller, nous connons route là. Thomas dit, maître. Non pas qu'on coute pour aller. Comment nous a fait qu'on route là? Jésus répond lui. C'est moi-même qui route là. C'est moi-même qui la vérité. C'est moi-même qui la vie. On nous fait louange à compliment pour parole grand-mère là. Louange pour Jésus-Christ. Please be seated. Madame veuve Martine Moïse, première dame de la République, Verlin Moïse, Thomas Orly, Jovenel Moïse et Jovenel Junior. Chers parents, et membres de la famille du président et aussi de son épouse. Premier ministre, M. Ariel Henry, ex-président de la République, Michel Martelly et sa femme, ex-président Jocelyn Brévet, vers. Autorité civile, judiciaire et grand cour de l'État. Mesdames, messieurs les ambassadrices et ambassadeurs des pays représentés. Membres du clergé des confessions religieuses vaudouisants dignitaires distingués. Membre de la presse parlée et écrite, représentant des médias autonomes du pays et des réseaux sociaux, mes frères et sœurs haïtiens. Qui l'aurait cru? Où est-ce qu'on est passé pour arriver jusque-là? Nous sommes dans l'amertume. C'est comme un rêve. Pour nous, c'est un président qu'on a assassiné. C'est notre président. Oui.
Madame Martine Moïse, c'est son époux de 25 ans. Son autre moitié. Pour ses enfants, c'est leur papa. Jovenel, notre président est un berger. Un berger sacrifié. We have heard that many times. Pasteur a bail la vie pour Bourbilio. The shepherd always give his life for his lamb. Dans Jovenel, président Jovenel, ça a donné réalité. Il fait nous mal jusqu'aux os. Si on retourne en Israël pour voir l'image du berger, ça s'appliquait au roi, tout particulièrement au roi David, l'ancien berger devenu roi. Et on continua à l'invoquer pour ses descendants. Ainsi donc, le psaume 22 affirme que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais nous aussi, comme le président Jovenel Moïse, nous sommes invités à être des bergers. Les pères de famille, les mères de famille, vous êtes des bergers pour vos enfants. Ceux qui ont la responsabilité dans les affaires d'État, vous êtes aussi des bergers. Les médecins, les professeurs d'école, les infirmières, vous êtes aussi des bergers. Est-ce que vous jouez votre rôle vraiment de berger qui prend soin de ses brebis? Vous savez, j'étais en Israël pour voir, en traversant le désert, j'ai rencontré un troupeau de plus de 400 moutons. Et puis il y a un seul berger avec eux. Ce petit homme-là, il est descendu de son âne pour rattraper les petits. Nous, comment ça veut dire? L'a marché des tout petits petits pour tout river je viens de manger ensemble avec tout gros. Pour mauvais loup à dévorer dans sa vente désolée. Pour yon tout protéger. Il a privé pour traverser la rue, il fait yon cri tout campé. Machine campée de bord, c'est la loi, là-bas. Et puis, enfin, après avoir rassemblé tout son troupeau, et puis il crie quelque chose, et puis le troupeau s'en va. Berger a pas gagné temps pour lui, non? Le jour et la nuit, il est après son troupeau. C'est pour ça, pape François dit, berger yo doit sentir troupeau. Si vous vivez pour un mouton, il sentit fort. Ça ne sent pas bon. Mais si vous vivez constamment auprès d'eux, vous sentez aussi l'odeur des moutons. Et vous arrive. Vous êtes l'un d'entre eux.
Jovenel nous a montré la route. Il a pris le devant comme leader. Il n'a pas hésité à confronter des situations difficiles. Il n'a pas hésité à ouvrir la bouche. As a leader, he lead. Camino adelante. Invitando a todos que marchamos detrás de él y que aprendamos. Aprendamos a luchar. Aprendamos a amar. Aprendamos a amar al país y a cada uno de los haitianos donde sea que viven. Porque todos son hijos del país. That was his dream. That every Haitian, no matter where you live, you can come to live with dignity and have the minimum. Et pourquoi pas? De la même façon qu'on parle du rêve américain. Et pourquoi pas, on ne peut pas parler du rêve haïtien? Pour que tous les fils de ce pays peuvent avoir le minimum et vivre comme des personnes, des hommes et des femmes libres. Il a lutté, il est tombé. Je crois que, et j'espère, c'est pas la fin de son rêve. Il est entré dans la paix de Dieu. Nous prions ce soir pour le repos de son âme et pour la consolation de sa famille. Nous savons que c'est pas facile, mais Dieu est là avec vous. Et la prière de ce peuple qui vous aime tant vous accompagne. Mes amis, gardez ça dans le cœur. La haine n'est pas la solution. La violence n'est pas la solution. La solution, c'est l'amour. L'amour sincère. Vrai. Moi-même, moi décidé de suivre l'exemple de la non-violence du Christ jusqu'à la fin. Parce que c'est là la solution. L'exemple de Martin Luther King, l'exemple de Gandhi et tant d'autres. Suivons le chemin de l'amour. C'est lui capable de mener nous à la victoire finale. Jovenel tombé. Même souhaiter que nous tout apprenions. Si que nous te loin, te lourd, pour nous te voir vérité, pour te comprendre ce que tu as fait, ce que tu as dit, maintenant nous comprenons. Son goût est haut. Il vient du Nord, le Nord héroïque. Et en vérité, cher président, côtoyer, fier de vous. Comme un homme du Nord aussi. Pas peur. La vérité, c'est la vérité, même si ça blesse. Il faut dire la vérité, parce que c'est la vérité qui nous rendra libres. L'idée portée, l'idéal de Christophe, de Dessalines. Et c'est pour ça qu'il s'est immortalisé. Nous tous nous connaissons. Haïtiens d'antan, bah on est si qu'on y a oublié, Batissa. Il a décidé de mourir debout, tant de vivre à genoux. Et ça, avec que nous louons,
nous sommes fiers d'exemple ça. Allez, continuez sa lutte. Pour un an demain meilleur. Pour une nouvelle Haïti. Côté tout le monde, gagne meilleur la donne. Les riches, les pauvres, les laissés pour compte, les satanistes. Les petits gamins là qui nettoient les automobiles sur les rues. Tous seront les rangs pour travailler à la résolution de son rêve. Pour que Haïti deviendra vraiment ce qu'elle a toujours été. Lumière des nations. Nous t'es fait, nous sommes capables de faire encore. Mais ce n'est pas seulement...